Non, déjà, on a demain un match important voilà, à gagner pour basculer. Ce sera notre meilleur ratio de points si, sur les 4 années. On arrive à retrouver la victoire à domicile pour repartir de l'avant. Ouais. On l'a fait deux fois cette année à l'extérieur, à Bordeaux et à Saint-Étienne. Après, on a joué dans deux systèmes, trois systèmes. Je le répète tout le temps, hein, c'est quand on n'a pas le ballon, c'est toute une équipe qui doit bien travailler pour bien récupérer le ballon. Ça dépend si on décide d'aller chercher haut, si on attend mi-terrain, si on attend plus bas. Et après, quoi qu'il arrive, il y a des situations qui arrivent tous les matchs. Sur des pertes de balles, on laisse des espaces. Il faut être à même de bien réagir vite et bien lire les situations pour pouvoir intervenir et être au bon endroit et bien l'exécuter. Hein. C'est ce qu'on fait pas très bien, par moment. Ouais, mais on aimerait prendre un peu moins de buts, mais c'est comme ça, c'est le football. Hein. Ça demande d'erreur, hein. Pas à nous d'être beaucoup plus vigilants, de mieux intervenir et d'être plus efficace. Voilà. Mais on joue avec des milieux de terrain offensifs, hein, latéraux. Hein. Ils sont de formation offensive. Ah, après, il y a des profils différents. Que ce soit Amouraze, c'est différent de Mihailo. Arnaud a des qualités différentes. On a envie de gagner les matchs. On cherche toujours le bon équilibre pour être performant, garder la qualité de jeu qu'on produit et d'être efficace. Ah, à Marseille, on n'a pas fait un grand match. Hein. Voilà, on a manqué beaucoup de justesse dans les 40 derniers mètres. Pourtant, il y avait de la place, je pense, pour être beaucoup plus juste, mais on n'a pas été juste. On a bousculé Marseille. Ouais, c'est vous qui dites ça, mais on n'a pas... Qu'est-ce qui vous manque pour rivaliser avec ces équipes-là? Ben, d'être efficace, d'être... on en parle depuis tout à l'heure, hein. Faut qu'on arrête de prendre 2-3 buts, c'est compliqué de gagner des matchs, hein. On ne peut pas marquer 4 buts chaque fois. Hein. On l'a fait contre Strasbourg, les miracles, on ne les fait pas... C'est les semaines, hein. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus efficace dans les zones de vérité, que ce soit bien sûr pour marquer des buts, continuer à être en capacité de créer du jeu et créer des situations pour marquer des buts. Et après, il va falloir qu'on réduise un peu le ratio de buts qu'on prend, parce que sinon, on pourra pas, sur la durée, on ne pourra pas gagner tous les matchs. Hein. Mais écoute, quand on est grosses écuries, on est 12e budget du championnat. Hein. On n'est pas. Là, tu joues Marseille, ils sont à combien Marseille? Ils sont à 300 millions. Nous, on est à 50. Hein. Voilà. Faut rester les pieds sur terre. Et puis. Mais on est en capacité, bien sûr, de pouvoir gagner des matchs, même quand le budget est plus gros. Mais. Après, quand tu me parles d'effectifs, oui, ils ont des moyens autres que les nôtres pour pouvoir avoir un effectif beaucoup plus riche que le nôtre. Mais ça, on le sait depuis le début de saison. Hein. Je connais pas la façon dont Domenech travaille. Après, bien sûr qu'il vient d'arriver, ça fait 15 jours.
Il a mis un nouveau système en place. Il est repassé en 4-4-2. Il a joué en 4-4-2. On verra si demain il s'aligne dans la même configuration contre nous. On verra. Non, on verra. Jouons les matchs d'abord. Après, on en reparlera. On va jouer tous les matchs pour les gagner. Après, on verra. Fin du mercato. Fin du mercato, c'est dans 15 jours. Hein. Presque. 3 semaines. Échanger avec lui à ce sujet ou pas du tout? Pour l'instant, il m'a pas parlé de ce que tu viens de me dire. Hein. Mais contre Rennes, ils ont joué très très. Ils ont défendu deux lignes très serrées. Voilà, ils ont. À nous de. D'être en capacité techniquement de bien manœuvrer pour les faire. Il va falloir bien insister. Je joue dans les couloirs aussi pour pouvoir contourner ce bloc nantais. Bon, sur le premier but qu'on prend, oui, on n'est pas à distance déjà sur Tovin. On le laisse manœuvrer trop facilement, distribuer le ballon comme il a voulu. Après, on est en retard sur le marquage aussi. Ah, quand tu joues avec des joueurs de qualité en face et que tu leur laisses toute la latitude pour donner les bons ballons, mais ils te mettent les bons ballons. Hein. Après, sur le deuxième, je pense qu'on doit mieux défendre aussi. Il ne doit jamais être en capacité de sortir. Pareil, Thauvin, il ressort le ballon, on est 3 contre 1. On doit être plus agressif. Mais sur le dernier, pareil. On manque d'agressivité sur le centre. On n'est pas à distance d'intervention. C'est le foot. C'est le foot. Alors nous, on a eu une situation. Là, on aurait dû être plus juste aussi pour pouvoir leur faire mal aussi. Hein. Même sans faire un grand match, on aurait pu scorer aussi un peu plus, en étant plus juste. Plusieurs fois, il aurait pu basculer en fait, sur un jeu. De l'autre côté. Ouais, il n'a pas basculé.